Salut tout le monde, aujourd'hui c'est l'entier 27 mars de cette année 2023. Nous avons le vieux récent de Cam présenté dans la vision dans le site web www.user.com. Pour le jour de suivre, on va dire que la nouvelle, vous pouvez savoir la mise à jour sur le protocole concernant mettre un masque hygiénique quand on se présente à l'hôpital Richland Regional Medical Center situé dans la ville Richland de l'État de Vermont des États-Unis. D'après la nouvelle, à partir d'aujourd'hui, l'entier 27 mars de cette année 2023, cet hôpital, vous devrez commencer à mettre en application ce protocole. C'est-à-dire pour tous les visiteurs ayant des symptômes d'un grippe ou d'une grippe qui ont besoin de se présenter à l'hôpital ou à des divisions hospitalières de consultation externe, il faut mettre un masque hygiénique. Ce protocole va bien vous faire penser à la période de l'étendue du virus corona qui vient de se terminer dans la nation des États-Unis en général, n'est-ce pas? Et d'après les paroles du gouvernement de l'État de Vermont des États-Unis et les paroles du gouvernement de la nation des États-Unis, on observe que mettre un masque hygiénique, cette action se laisse rester à la décision de chaque résident des États-Unis, de telle façon qu'on peut prendre une décision sur s'il est nécessaire de faire cela selon les circonstances dans la vie. C'est-à-dire, on me dit que depuis l'étendue du virus corona, bon nombre de résidents des États-Unis se sont encore attachés à cette habitude de mettre un masque hygiénique quand ils se présentent à l'hôpital, même quand ils n'éprouvent aucun symptôme d'un grippe ni d'une grippe. Disant cela, d'après les parents de l'hôpital Richland Regional Medical Center, on me dit que cet hôpital va continuer à fournir des masques hygiéniques à des visiteurs qui voudraient les utiliser quand ils se présentent à l'hôpital.